Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et nous retrouvons pour notre 17e épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney. Dans le dernier épisode, nous avons fini l'investigation du premier jour et nous allons commencer tout de suite le procès du deuxième jour. 18 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Smack! Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Lante. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer que la cour, à la cour, que monsieur, que le 4 octobre, à 4h30, l'accusé, Monsieur Gustavo Lante, a tué Jack Hammer, son collègue acteur, au studio 1 des Global Studios. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentées lors du procès nous laisseront à penser. Je vois. Très bien, j'aimerais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur détective. Encore lui! Oh là là, c'est pas possible! Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour? Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un peu changé le micro, alors. Je vous explique, j'ai mis une bonnette sur ce micro, donc normalement les pops ne sont plus présents, en tout cas, je l'espère. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc on continue. Oui monsieur, je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, voyez. Ceci est la scène des employés. Les acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, vous voyez. Derrière, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que 3 personnes ici. La victime, Jack Hammer. L'accusé, M. Gustavo Lante. Et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone d'assemblée jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, la victime, Jack Hammer, s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h, ce même jour. Le personnel est allé au studio pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. En effet. Car l'heure du décès a été estimée à 14h30. Le sabre de samouraï trouvé dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes affaires les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau? Devrais-je les réécouter? J'en ai marre, je ne veux pas écouter. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc l'arme du crime est un sabre. C'est très moyenâgeux. Moyenâgeux, comme mon nouveau blason, d'ailleurs que je remercie Monsieur Airway pour me l'avoir fait. Le sabre de samouraï a été ajouté au dossier de l'affaire. Votre honneur. Cette affaire est très simple si on ne pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance? Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. Ah, mademoiselle est chouette. Ah ah. Le témoin peut-il décliner son identité? Hein? Dis donc, vous êtes un bel homme, très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublé. Oh, votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon petit chéri, ne soyez pas si gêné. Vous pouvez m'appeler mamie. Votre nom, s'il vous plaît. Il semble qu'Hunter ait du mal à tenir la conversation de ses témoins. Et ce n'est pas faux. Flavier, chouette, mon petit. Donc vous pouvez m'appeler Flavie, nanana. Et quand j'étais jeune, bah c'est très vieux, hein. Et puis en plus, les administrations, ils me laissent travailler à cet âge-là, hein. J'ai quand même 80 ans. Objection! Je présente contre la volubilité des témoins. Objection accordée. Le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. J'allais raconter le plus intéressant, petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage. Bien, le témoin était posté à l'entrée principale le jour du meurtre, correct? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous.
Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Encore un jeu de mots qui est vraiment super. Passons. Disposition du témoin, récit du témoin. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre hameur et les autres avaient répété depuis le matin. J'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h quand je suis arrivé au poste de sécurité. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé devant moi, juste devant moi, à 14h précise. C'était Lonté, l'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. Ah ah! Vous avez donc vu l'accusé? Très bien. Passons au contre-interrogatoire. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Contre-interrogatoire sur le récit du témoin, mademoiselle vieille chouette. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Un instant. Donc à ce moment, n'importe qui aurait pu se rendre au studio. Eh bien, il n'y avait pas grand... Il n'y avait pas de gain à l'entrée, non? Mais l'entrée principale a été fermée à clé, mon chéri. Il faut une clé magnétique d'employé pour entrer. Oui, la clé magnétique dont je dispose. J'en ai vu donc que seules les personnes autorisées pouvaient entrer. Y avait-il quelqu'un d'autre au studio lorsque vous êtes arrivé au poste de sécurité? Ce pauvre vieux Hammer et les autres avaient répété jusqu'au matin. Depuis le matin. Une répétition? Ils mettaient en place une scène entre le samouraï d'acier et le juge Tanker. À midi, son ciel était réglé et devait se passer l'après-midi à s'entraîner. La répétition générale était prévue à 17h. C'est pourquoi ce pauvre Hammer est allé au studio 1 dans l'après-midi. Donc Lonté d'emmener sa loge, alors qu'il aurait dû s'entraîner. Tu parles d'un héros tranquille? S'il y avait une répétition ce matin, pourquoi n'êtes-vous arrivé que l'après-midi? J'avais en fait des choses à faire à ce jour-là. Intéressant, puisque apparemment elle a participé. Quel genre de choses? Oh, eh bien, vous savez... Répondez à la question! En fait, je regardais ce pauvre Hammer et Lonté. J'observais, vous voyez? Vous observiez? Vous n'étiez pas censé être au spot de sécurité? Important! Vous dites je vous ai dit que... Important! Je vous ai dit que je n'avais permis le vote à la clé, non? J'ai fait mon travail! Ah putain, j'arrive pas à la faire comme le... 50 centimes! Voilà, c'est ça. C'est ce voilà qu'il faut que je passe. Je ne suis pas certain que votre patron le voit de cet œil. Enfin bref. J'insiste toujours en répétition de Hammer. Toujours! Je n'ai jamais rentré une depuis toutes ces années. Waouh! Moi aussi, je voudrais voir une répétition du samouraï d'acier. Tu n'as qu'à laisser tomber ta carrière de médium et devenir gardienne. C'est pas une mauvaise idée. Non! Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Avez-vous vu la victime dans ce cas? Si j'ai vu ce pauvre Hammer, non. Il était déjà arrivé au studio avant que je revienne à mon poste de sécurité. Dites-nous ce qui s'est passé ensuite. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. C'est pas faux. Non, je peux pas attaquer. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant, parce qu'un certain individu est passé devant moi à 14h. 14h? Vous êtes sûr? Sûr et certain. Alors, qui était cet homme? Voyons, vous ne devez pas vous énerver autant, à votre âge, ça devrait être dangereux. Magnifique! Allons, ne vous mettez pas en bas, je vais vous dire qui c'était. C'était Lonté! C'est un magicien juste ici! Il arrive au studio! Alors, vous avez vu Monsieur Lonté? C'est ce que j'ai dit, oui. Vous avez les oreilles bouchées, mon petit? Nick, c'est le moment ou jamais? Ouais, c'est le moment de sortir notre âme secrète. Je le répète, c'était lui! Donc là, vous avez bien compris, vu les commentaires qui ont été faits au niveau de l'histoire, c'est qu'il est ici qu'il faut présenter quelque chose. Et on va présenter la photo de Lonté parce que ce n'est pas Gustavo Lonté! C'est le samouraï d'acier, ça n'a rien à voir! Enfin, peut-être que ça n'a rien à voir. Et on va maintenant faire le cri magnifique. Objection! Mettons cela au clair, vieille chouette. Madame A. Chouette. Magnifique.
Vous déclarez depuis hier avoir vu Monsieur Land, c'est exact. Mais vous parlez de l'un de ses photos, n'est-ce pas? Un moment, Monsieur Wright. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement? Le samouraï lassé en personne, défenseur du nouveau vieux Tokyo. Madame est chouette. Est-ce le Monsieur Land que vous avez vu? Bien sûr, votre maman ne vous a pas appris à réfléchir, mon petit. N'importe qui peut voir que c'est bien Lonté, d'accord? Oui. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, Monsieur Lonté tient le rôle du samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Lonté est le samouraï d'acier! Wahouh! Je le sais bien! Je suis pas dit de faire plus! Personne dans ce tribunal vous accuse de ça, madame... témoin. Madame Elish White. On dirait qu'il a du mal à appeler par son nom si évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur la photo est Monsieur Lonté, si? Ah, bien curieux. Bien sûr que j'en ai la preuve. Quoi? Hein? Même Hunter est surpris. L'accusation aimerait demander à la vieille... Au témoin, vous... Nous vous prions de bien vouloir dire ce que vous savez tout de suite. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité. Vous devez avoir honte. Bon, j'ai montré les photos à ce jeune inspecteur. Il m'a dit que ce n'est pas une preuve à la mademoiselle. Je ne l'ai même pas regardé attentivement. Waouh, le vieux moulin à parole a même cloué le bec à Hunter. Elle est douée. Parlez-vous de cette preuve dans ce cas? Excusez-moi pour avoir un peu tué la voix d'Edwards, mais c'est pas voulu. Enfin, de Hunter. L'homme sur la photo. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Monsieur Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un de ses accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte, alors c'est clair, donc comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté, vous êtes content? Donc il s'est foulé la cheville. Très bien. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Elle cale quelque chose. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. Donc là, on n'a rien à... On peut pas, comme il expliqué, on peut qu'attaquer. Dites-vous bien que je ne dis pas quelque chose sans le penser vraiment. Important. Et je n'ai pas encore rien, j'ai encore rien dit. J'aimerais que vous sachiez que je ne demande jamais quelque chose par derrière. Tout ce que j'ai dit est pure franchise et honnêteté. Allez, je suis une vieille, je suis 80 ans. Monsieur Wright, par pitié et par égard à nous tous, essayez de ne pas bouleverser le témoin. Je crois qu'Hunter a trouvé un moyen. Quelqu'un se mesure. Ce matin-là, la répétition de la scène d'action. J'ai vu Lonté trébucher et tomber. Trébucher et tomber? Oui! Dire qu'il est censé incarner le sous-marin d'acier, c'est trop drôle! Donc Lonté, c'est l'eau, je sais fouler la cheville. Bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il ait moins mal. Vous avez fait en sorte qu'il ait moins mal? Vous avez fait en sorte qu'il ait moins mal? Je lui ai fait un bisou pour soigner son bobo. Passons, c'est parti, vous voulez bien? Où était l'assistante à ce moment-là? Oh, elle? Elle nettoyait les décors, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville de Lonté. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Il a cassé un petit accessoire, un véritable bazar. Il a cassé un accessoire? Eh oui, son propre sabre samouraï. Son sabre samouraï, l'arme du crime? Heureusement, j'avais du gros scotch pour le réparer. Ça me semble être un détail important. Je ferais mieux de l'inscrire au dossier de l'affaire. Sabre mise à jour dans le dossier de l'affaire. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Alors là, par contre, je veux voir un truc. Alors, si possible, je veux voir le présenter. Voilà. Parce que j'ai un doute. Vérifions la photo. Il n'y a pas l'air d'avoir de scotch. Et là... Regardons l'autre.
Au niveau de la hampe, ça veut dire quoi la hampe? J'en sais rien. Bon, je sais pas, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était TGF, stay tuned!